À minuit, pour la bascule vers l'année 2023, il fera encore une dizaine de degrés sur une bonne partie du pays. En fait, si nous étions en plein été avec un soleil bien plus haut dans le ciel, on parlerait d'une canicule. Là, c'est un peu une canicule hivernale en ce moment, avec des températures qui ont bien du mal à s'abaisser, même la nuit. On a souvent une dizaine de degrés, ce sera le cas pour ce samedi. Une journée à nouveau bien réchauffée. Alors, dans l'après-midi, on sera parfois à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce sera très probablement notre 31 décembre le plus doux jamais enregistré, jusqu'à 18 degrés, notamment en Alsace. Une vingtaine de degrés en Auvergne, 23 degrés notamment en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des températures tout simplement dignes d'un début de printemps. À minuit, pour la bascule vers l'année 2023, il fera encore une dizaine de degrés sur une bonne partie du pays, voire une douzaine de degrés par endroit. Et dimanche, on pourrait battre des records pour un 1er janvier, notamment dans le centre-est du pays. Il faut rappeler que cette année 2022 est clairement la plus chaude jamais enregistrée. On a battu 300 records de froid, c'est vrai, oui, mais 1500 records de chaleur cumulés depuis le 1er janvier dernier.